Loana embrasse sa mère, vidéo étonnante quelques mois après avoir menacé de porter plainte contre elle. Mère et fille entretiennent une relation particulière depuis plusieurs années. Après avoir été très proches, Loana et Violette se sont éloignées pour une histoire d'argent. La grande blonde avait même menacé de porter plainte contre sa chère maman. Finalement, aujourd'hui, le duo s'affiche plus complice que jamais. Dimanche 29 mai 2022 était un jour spécial, celui de la fête des mères. Plusieurs personnalités ont ainsi célébré ce moment en compagnie de leur maman. Si est-il le cas de Loana? L'ancienne star de télé-réalité fragilisée, révélée en 2001 dans la première saison de Loft Story dont elle est d'ailleurs ressortie grande gagnante, partage une rare vidéo sur Instagram. Dessus, elle apparaît accompagnée de sa mère, contre qui elle a porté plainte ces derniers mois. Bonne fête maman. Je t'aime. Bisous roses à tous, lance-t-elle en légende de cette vidéo. Sur ces images, la blonde de 43 ans et sa mère s'embrassent sur la bouche et enchaînent les gestes tendres mère-fille. Des bisous d'amour les amis. Et on va bien, pour tous ceux qui ne le pensent pas. On s'a aimé, précise Loana de vive voix. Puis, en légende de ce post, elle propose à ses fidèles abonnés sur le réseau social de partage d'images une dédicace personnalisée. Pour n'importe quelle occasion ou juste pour faire plaisir. Des images enregistrées avance, où vit la maman de la star, à en croire la localisation. Une vidéo qualifiée de gênante par les internautes qui ont toujours en tête le conflit récent entre la mère et la fille. Loana et sa mère Violette avaient publiquement affiché leurs soucis de famille. En février 2021, elle avait ainsi le souhait de porter plainte contre sa chère maman, en même temps que contre son ex Fred Covin. Pour harcèlement, escroquerie, bande organisée, abus de faiblesse, abus de confiance, abus de pouvoir, séquestration, coups et blessures. Sur une période de 7 ans, la grande blonde accusait ainsi sa mère de lui avoir pris de l'argent durant tout ce temps. Finalement, en novembre dernier, nouveau rebondissement dans leur relation. Auprès de Voici, Loana révélait que toute cette affaire était de l'histoire ancienne. J'ai passé les trois quarts de mon été chez ma maman, en posant mon portable dans le tiroir. On s'est réconciliés. Il y avait eu des problèmes en début d'année. On n'a qu'une maman de toute manière, avait-elle déclaré. Enfin, concernant l'argent perdu, elle avait confié qu'elle essaierait de récupérer ce qu'elle peut. Je n'ai plus envie d'aborder ce sujet avec maman. Je n'ai plus envie de penser qu'il y ait pu se passer quelque chose, avait-elle conclu. Si est-il bel et bien oublié.